Alors, départ du Cany Triathlon de lac de Chour sur la berge, donc pas dans l'eau. Donc ça, la ligne de départ est déjà direct tracée. Et une fois qu'on lance le départ, t'es prêt de Kouma? 3, 2, 1, allez go! Allez dans l'eau! Devant, devant! Allez Kouma, tiens devant! Allez Koum Koum! Gauche, gauche, gauche! Kouma, devant, devant! Voilà, allez bien! Ouais! Vas-y devant! À faire le casque en premier. Kouma vient, on essaie de tenir son chien le plus proche possible pour pas déranger les autres. Bien. Ensuite on attaque les gants. Alors quand c'est mouillé c'est pas le plus simple. Y'a Kouma. Pour ceux qui veulent, on peut garder les gants quand même sur la partie natation. Yakuma. Ensuite, important, il faut toujours garder son chien attaché. Donc on vient jamais en premier détacher côté baudrier. On attache toujours côté chien. Et on attache la ligne de trait VTT. Tac. Ensuite, on peut détacher côté chien. On pose la ligne de trait, pas loin du vélo. Et ensuite, on force aux portes de ça. Tac, Kouma, viens. Kouma, viens, viens. Kouma, viens. Et ensuite, on monte jamais directement sur le vélo, il faut attendre de sortir du parc. Tac. Donc on peut courir quand même. Hein. Voilà. Là, la ligne de sortie du parc, elle est métallée par la ligne de trait. Une fois qu'on l'a passée, hop, on peut monter sur le vélo. Kouma, gauche, gauche, Kouma, gauche. Allez, d'accord. Allez viens Kouma, viens, gauche, 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 Kouma, gauche, gauche, allez viens. Viens là, top. Alors, en premier on dépose son vélo. Kouma, viens. Kouma, viens, viens. Comme tout à l'heure, on laisse pas trop le chien divaguer. On commence par récupérer sa ligne de trait, canicross. On attache directement au baudrier et après au chien. On peut détacher la ligne de trait vélo, comme ça le chien il n'est pas en libre. On retire les gants. Tac. On les repose bien à côté de son vélo, histoire de ne pas mettre n'importe où. Le casque, pareil. Et on est reparti. Allez Kouma, tiens. Allez go, allez quoi.